Mais pourquoi t'as fait ça? Désolé, tu m'as fait peur. Dans une nouvelle entrée consacrée au meilleur jeu console du moment, c'est-à-dire Insurgency Sandstorm. Effectivement, c'est assez rare sur console d'avoir des FPS hardcore, réalistes et tactiques qu'on a l'habitude de voir sur PC, comme Escape from Tarkov par exemple. On va particulièrement jouer sur le mode Firefight, qui est le mode le plus compétitif de Sandstorm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respawn, sauf si mon équipe capture un des 3 points, et ça joue en 3 ou 4 manches, donc c'est assez hardcore. Il y a notamment de la ranked sur ce mode, et on sera sur une de mes maps préférées, la map Tell, qui pour moi est la plus compétitive sur Sandstorm. Elle me rappelle vraiment un R6, mais en plus tactique, parce qu'il y a beaucoup de tactiques et de lignes à connaître pour dominer la partie. Oh, c'est cette map! Oh, il me faut l'asval, il me faut l'asval, il me faut l'asval. Oh, c'est cette map! Oh, 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 c'est ma map, ça. Ah, ça, c'est ma map. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oh, lâche, oh, lâche, oh, lâche. Il était des cheveux au vent, lunettes de soleil. Ouais, cette map, telle, Santa. C'est celle que j'aime bien, ouais, et que vous détestez tous, là. Non, elle est bien, telle. Ok, là, contact tout de suite, imminent. Ah, bah ouais, à la tête. Moi, je te suis, moi. Mais normalement, tu le tues. Tu tiens la ligne, il se clique et tu le tues, mais moi, j'ai pas de ligne, je sais pas pourquoi. Oh, ils prennent A, nos potes. Oh, mon dieu, s'ils y arrivent. Ouh, allez, bon, bon, c'est la guerre. Cette scène, quoi. Ah, mais allez, let's go. Pourquoi je suis monté là-dedans, moi, mais qu'est-ce que... Et la vie de ma mère, si je remeurs, je te tue à la prochaine. Ok, mais non. Cette fois, on va passer plus à droite, t'inquiète. Alors, soit tu passes à gauche, soit tu piques là à droite, toi. Pique à droite, moi, non, je passe avec toi. Si je remeurs, t'es mort. Ok, c'est bon, il est moulon, on va pouvoir avancer. Bon, à la fontaine. Toi, t'es trop chaud. Ouais, je sais. Oh, non, parce que c'est un iceberg, t'as capté. Attends, et là on monte à gauche. Il y en a 3 au niveau du tunnel. Et là on monte à gauche, voilà. Et là on est sur site. Ils sont sur A. Ouais, bah go, on continue là. Oh lol. Sur le tunnel. C'est quoi le tunnel, Gabi? Deux. Il y en a 3 là-dedans. Il y en a un autre, ça va dans l'autre sens, Spike. Ah bah c'est bon. C'est quoi le tunnel? C'est où t'es? C'est là où t'es éteint. Pour les sécurités, le coin intérieur, je sais pas trop. Spike. Oui. On a un speed. C'est bon, on a clear 1. Il est en haut à droite de A. Ok, j'arrive alors, je suis arrivé dans son dos. Il est bas. Vous l'avez eu? Ok, je suis sur lui, mais tu es pas. Non, dégage! Ah, il me l'entend! Il est plus sur un, je pense, là. Oh, je kiffe cette map à cause de ça, là. C'est round, là, c'est... Une fois que tu connais la map... T'as capté que bon, faut qu'on fasse ce qu'on a fait là, sauf qu'il faut qu'on tienne la ligne. Si le mec, il pique à la fenêtre, on le règle, et là, on avance. Y a un mec qui s'est montré, je sais pas s'il est mort. Do you want a flash? Ok, c'est le moment. Flash! Hey, one second! Ah, c'était moi que t'as flash. C'était fait exprès, en fait. On y va, speak. Ah, bien. Ah non, il m'a eu. Ah non, je crois que c'est qui nous a tués. Dans le coin de la rue, là où on est passé. Oh my god. Spike, reviens en arrière, là où t'étais. Ouais, c'est en cours. Genre, quand tu reviens vers l'autre... Il y en avait un autre, encore un autre normalement. Il est en bas, il est à gauche dans le petit recoin là. À gauche. Mort. Non. Non, mais il était derrière. Dans la... Ah, tu nous as fait une magnifique Tarkov. Mais comment je suis pas dessus. Dommage. Et le macaron, il fait pas ses dégâts. Ou le macaron. Non, ouais, mais il doit avoir la grosse armure peut-être aussi. J'aime bien, ça fait vraiment coupe-gorge comme map, tu vois. Tu viens, tu piques, tu le niques. Ça fait un pique-nique, lol. Ils sont pas du tout passés à droite, j'ai le seul. Écoute, ils prennent. Ah, ils sont tous passés sur moi. Mais lol, ah ouais. Effectivement. Non, j'ai plus de mine, je me chargeais, putain, qu'on était déjà là. Bon, bah j'ai vu personne officiellement sur ce round, j'ai rien fait. Ouais, t'es level 94. Bah oui, tu sais pas. You got damn fucking former. J'ai évoqué, je veux, j'aime beaucoup moi ce jeu. Un mort sur B. Un autre mort sur B. Attends, les flanques.
De toute façon, il va falloir les barrer. Hein. Vous allez rester déterminé à vouloir prendre A, donc... Que rien sera. Oh, ah, 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 dans un escalier... Ok, au loin, c'est un vert tôle. Il se fait tirer dessus. Oh, yes. Ok, ils vont respawn. Ils ont pris bravo, putain. Tuez-les tous. J'avais un pied là. Il y a un ami qui parle à ma gauche. Allez sur moi. Oh, je suis trop nul. Non. Ok, deux morts. On a encore un le long de la route à ta droite, Spike. Derrière toi, Spike, fais gaffe. Putain, il m'a pas vu, mais il est aveugle. Deuxième. Là, tu le vois en face. Ouais, j'ai vu. Il m'a vu aussi, putain, il m'a fait trop peur. C'était un putain de buisson, quoi. Je devais recharger, mec. La nombre de lag. Non, mais parce qu'en fait, on le voyait pas avant qu'il sorte ouais. Du buisson. Ouais, j'arrive dans leur dos. C'est qui le cap B, là? C'est eux, c'est nous? Oh, c'est nous. Un mort. Un contrebas à droite au niveau des... J'arrive, Santa. Vas-y, rentre, Santa, je te couvre. Il y a des mecs dedans. Où ça? Je vais les dégager. Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi, gauche? Mort, mort, dans quoi, gauche? Chargeur. Il reste des guns en B ou pas? Je n'ai marre de faire... Non, ça clair, ça clair. Le petit backstab que j'aurais mis, c'était... Mais lui, il meurt pas, lui, là. Vous avez toujours pas cap, là? Si, si, je suis en train. Il était où, le gars, Gabi? Parce que je suis toujours dans leur 6. Partie gauche de la route. Ok. Je cherche. Ah, j'entends tirer au silencieux. Ah bah... Je l'ai eu. Ouais. Non, c'est moi qui tire au silencieux. Oh putain, j'aurais fait un backstab avec la scarache, là. Il est trop bon, ce flingue. Je suis... Accident. Tu connais les timings. Quoi? Ouais, tu connais les timings, t'as pas je parlais au début. Je connais rien du tout, j'ai réussi à passer, c'est tout. Gabi, c'est une bonne idée de te suivre ou pas? Non, je connais pas la map. Ça tombe bien, moi non plus. Moi, je veux juste un emplacement de snipe. J'avais dit ou pas que c'était une map longue distance? What's up? Oh, y'en a un à droite, complètement à droite. Oh, on m'a tiré dessus. Oh, coupé. T'es en mort, putain, c'est la guerre. C'est qui a tiré sur l'allié, je sais plus. T'as un cabine, un mec par là. Je sais. Ah, putain. Il est où, il est où, il est où, il est où? Dans la maison complètement à droite de la map. Sur B? Non, sur B, il est complètement... C'est le dernier, Spike, j'espère que tu l'as eu. Non. Eh, c'est la Galil. Fuck, that's a good... Ouais, j'ai eu, en fait. Oh bah... What? Putain, ninja. Le mec, avant même qu'il rentre, il m'a déjà tué, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore à... Mais lui, faut le kick. D'un ninja, quoi. Oh, c'était le chaos dans la baraque, par contre. Comme vous avez pu le voir, Insurgency Sandstorm est vraiment FPS très solide. J'y joue depuis sa sortie PC en 2018. Il peut vraiment être compétitif comme tactique en fonction du mode de jeu, ce que je trouve assez fou pour un FPS, puisqu'habituellement, FPS tactique, bah, c'est plutôt lent et difficilement compétitif. Alors que là, Insurgency Sandstorm, avec ses mécaniques et son gameplay, permet vraiment les deux. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de la Pro League avec la ranked d'Insurgency sur ce genre de mode-là? Est-ce que c'est un truc que vous verriez comme la Pro League R6, par exemple? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu pour l'algorithme. La session est maintenant terminée. Rejoignez les XM, cliquez pour vous abonner. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. Étouffez ce pouce jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Et partagez pour recruter plus des XM.